Bonjour mes petits, comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, nous avons une compréhension pour la première leçon. Ouvrez votre livre, atelier 4, leçon 1, page 2. Écoutons ensemble. Leçon 1, page 2. La rentrée scolaire. Observe l'emploi du temps et réponds aux questions. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Amis et élèves se retrouvent après 2 mois de vacances. Le proviseur de l'école, M. Dupont, distribue l'emploi du temps aux élèves. J'ai mon emploi du temps. Je finis chaque jour à 15 heures, sauf le mercredi. Le samedi et le dimanche, c'est le week-end. Je peux voir les copains. Je suis très contente de les revoir. Moi aussi, je suis très contente de te revoir. Maintenant, mes excellents élèves, lisons la leçon ensemble. La rentrée scolaire. Observe l'emploi du temps et répond aux questions. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Amis et élèves se retrouvent après 2 mois de vacances. Le proviseur de l'école, M. Dupont, distribue l'emploi du temps aux élèves. Stéphane, j'ai mon emploi du temps. Je finis chaque jour à 15 heures, sauf le mercredi. Le samedi et le dimanche, c'est le week-end. Je peux voir les copains. Je suis très content de les revoir. Béatrice, moi aussi, je suis très contente de te revoir. Mes bons élèves, observons ensemble l'emploi du temps de Béatrice et de Stéphane. Ils sont dans une école française. Voilà les jours de l'école en France. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Attention, en France, on va à l'école le vendredi. Mais en Égypte, le vendredi est un jour de congé. Maintenant, les horaires. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 13h, 14h. La récréation. La récréation. Cantine et déjeuner. Maintenant, le lundi, qu'est-ce que je dois mettre dans le cartable? Qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école? On va apprendre français. Géographie, anglais,
sport. Algèbre. Et le mardi, qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école? On va apprendre histoire, français, algèbre, dessin, géométrie. Et le mercredi, géographie, latin, anglais, français. Et jeudi, on va apprendre français, science, film, sport, dessin. Et le vendredi, français, histoire, latin, géométrie et science. C'est clair l'emploi du temps, mes petits? Bien sûr, vous avez un emploi de temps. Choisis la bonne réponse. 1. Les élèves se retrouvent à l'école après de vacances, un mois, deux mois, trois mois. Très bien, la réponse est 2 mois. 2. Ils vont à l'école par semaine. 2 jours, 5 jours, 7 jours. Bien sûr, c'est 5 jours. 3. Ils apprennent une langue, 2 langues, 3 langues. Combien de langues ils apprennent? Ils apprennent 3 langues. 1 cours de latin par semaine. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 fois par semaine. C'est compris? Complète. À quelle heure commencent les cours? Les cours commencent à 8h30. À quelle heure commence la récréation? La récréation commence à 10h30. À quelle heure déjeunent les élèves? Les élèves déjeunent à 11h30. À quelle heure se termine la journée scolaire? La journée scolaire se termine à 14h. Pendant quel cours écoutes-tu ces phrases? Choisis la bonne réponse. 1. Dans un carré, il y a 4 angles droits. Géométrie, poésie, sport. Bien sûr, c'est au cours de géométrie. 2. L'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène. Français, algèbre, science. Bien sûr, très bien, c'est au cours de science. 3.
Le féminin de beau est belle. Français, danse, géographie. Voilà, très bien. C'est au cours de français. C'est clair, mes petits? Est-ce facile? J'espère bien. Du fond du cœur, je vous dis tous merci à votre attention. Au revoir. Et je vous souhaite toujours la bonne chance, mes petits. Au revoir.